Bonjour, je vous propose de faire un quiz sur Scratch et de le faire avec Scratch. Dans le quiz, on demande d'abord à l'utilisateur de choisir une question en appuyant sur une touche comprise entre A et R. Une fois qu'on a fait ce choix, le script est affiché et on demande à l'utilisateur de donner la valeur X qui correspond à l'exécution de ce script. S'il donne la bonne réponse, il voit ce message. Et s'il donne une réponse fausse, il faut qu'il recommence et le nombre de mauvaises réponses est incrémenté de 1. Et vous avez, dans l'exemple qui est donné ici, une vingtaine de questions à peu près, dont voilà des exemples. Donc je vais aller sur le site de Scratch. Je vais me connecter parce que j'ai déjà un compte. Si vous n'en avez pas, eh bien créez-en un. Et je vais créer un nouveau projet que j'appelle Quiz et que j'enregistre. Je vais choisir trois costumes, un pour poser la question, Champ 99, un pour dire qu'on a gagné, Champ 99A, et un pour dire qu'on a perdu. Et puis celui-là, je vais l'appeler question. Celui-là, je vais l'appeler win. Et celui-là, je vais l'appeler lose. Et puis cela, je vais les supprimer. Et pour le fond de scène, eh bien, je vais simplement choisir le premier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce quiz? Eh bien, on va donner des scripts à l'utilisateur et lui demander de prévoir le résultat du calcul, en l'occurrence sur une variable x. Je vais prendre un exemple que j'ai rangé dans le sac à dos, ici. Quand je presse la valeur A, j'initialise la valeur de x à 1 et ensuite je fais un certain nombre d'opérations et je vais demander à l'utilisateur de dire quelle est la valeur de x à la fin de ce script. Et ce que le logiciel du quiz doit faire, c'est vérifier que la valeur donnée par l'utilisateur correspond à la valeur calculée. Alors, avant de se plonger dans le code, on va essayer de réfléchir avec un diagramme de flux à ce que l'on doit faire. On a vu que chaque question du quiz correspond à un script qui démarre quand on appuie sur une touche. Par exemple, ici, la question A, et ensuite la question B, la question C, etc. Donc, pour chaque question du quiz, on a un script. À la fin du script de chaque quiz, on peut rajouter une commande qui demande l'affichage d'une image qui correspond à ce script. Mais dans ce cas-là, il faudra créer cette image et l'importer sous forme de costume. Après avoir vu la liste des questions du script, on va voir comment traiter ces questions avec un script qui commence quand n'importe quelle touche est appuyée. Alors il y a deux cas possibles, ou bien on est en train de répondre à la question, ou bien on vient de choisir une question, ce qui correspond à la variable choix question attendu que l'on va mettre à 1 dans ce cas-là. Donc si choix question attendu vaut 1, on remet cette variable à 0 parce qu'on passe en mode réponse. Et on va demander la réponse à l'utilisateur. Ensuite, on a deux cas possibles. Si la réponse correspond à X, eh bien, là, elle est bonne. On affiche le costume qui va bien. On dit bravo et on ajoute 1 au nombre de bonnes réponses. Et si la réponse est fausse, eh bien, on affiche le costume qui correspond à une mauvaise réponse. On demande à l'utilisateur de relire le script et on ajoute 1 au nombre de mauvaises réponses. Ensuite, on attend 2 secondes, on affiche le costume qui correspond au choix d'une nouvelle question, et puis on passe la variable choix question attendu à 1 pour sortir du mode réponse. Donc on va créer 3 variables. Une première variable qui permet de savoir si on attend une réponse ou une question, et 2 variables qui permettent de compter les bonnes et les mauvaises réponses. Ensuite, on va au drapeau vert dérouler un certain nombre d'opérations que j'ai déjà préparées. Donc, au drapeau vert, eh bien, on bascule sur le costume question, on le met à la bonne taille et puis on lui demande de dire à l'utilisateur d'appuyer sur la touche du script à tester. On l'oriente à 90 degrés, on positionne correctement et on dit que la variable choix question attendu est à 1 et le nombre de bonnes réponses et mauvaises réponses est mis à 0. Voilà pour le drapeau vert. Ensuite, quand une touche est appuyée ou bien ça correspond à la réponse posée à une question, c'est le cas où choix question attendu vaut 0,
ou bien choix question attendue vaut 1, et dans ce cas-là, il faut traiter la question. Alors le script, il est préparé, il est dans le sac à dos. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si le choix question attendue vaut 1, eh bien on le remet à 0, puisqu'on passe en mode réponse, et il faut que le personnage demande à l'utilisateur de lui donner la valeur de x qui est calculée à la fin du script. Lorsqu'il a répondu, ou bien la valeur de x correspond à la réponse de l'utilisateur, et dans ce cas-là, on bascule vers le costume qui montre qu'il a gagné, et on lui dit, bravo, la réponse est bien celle que vous avez donnée, c'est-à-dire x, et on ajoute 1 au nombre de bonnes réponses. Sinon, ça veut dire qu'il s'est trompé, on ajoute 1 au nombre de mauvaises réponses. Alors, vous pouvez tester, je clique sur le drapeau vert, et puis sur la touche A. Il me demande la réponse X, et je lui réponds par exemple que c'est 1, je valide, et il me dit que j'ai gagné. Si je rappuie sur A et que je lui dis que c'est 10, eh bien, il va me dire que j'ai perdu. Donc ça marche, mais le petit problème que j'ai, c'est que je ne vois pas afficher le script dans l'écran où on pose la question. Alors si vous avez le code qui est affiché en même temps, eh bien, éventuellement ça va, mais ce qui serait mieux, c'est d'afficher le script au moment où on pose la question. Alors pour ça, je vais l'enregistrer sous forme d'image et je vais demander de l'afficher. Donc je vais utiliser un outil de capture d'écran. Il y en a sur Windows, il y en a sur Mac, etc. Et je vais sélectionner le script qui correspond à la touche A, et je vais l'enregistrer dans un fichier sous le nom a.png. Et puis, au niveau des costumes, je vais l'importer. J'ai donc maintenant le costume qui prend le nom du fichier qui est a.png. Dans le code, je vais lui demander de basculer au costume a.png à la fin du script. Basculer sur le costume a.png ou le costume A. Je peux tester maintenant, j'appuie sur le drapeau vert, je clique sur la touche A, il m'affiche le script mais pas au bon endroit. Donc je redonne la réponse 1 et ça correspond bien, mais ce qu'il va falloir, c'est que j'adapte les positions. Pour améliorer le positionnement, on va dire qu'à chaque fois qu'une touche est pressée, eh bien on va à -120, -24, ce qui va permettre de mieux voir le script. On va revenir à la position initiale quand on a le personnage. Et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter des sons pour dire quand on gagne et quand on perd. Voilà. Alors si je tourne ça, puis sur la touche A, cette fois-ci j'affiche bien la question. Alors ça, selon l'échelle à laquelle vous avez fait la copie d'écran, vous aurez des résultats différents qu'il faudra ajuster. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre les variables au bon endroit. Voilà. Donc je recommence. Voilà, ça marche. Alors ce que j'ai fait pour le script qui correspond à la touche A, eh bien je vais le faire pour des scripts qui correspondent aux touches B, C, D, E, F, G, etc. Vous trouverez cette application à l'adresse qui est indiquée ici, avec une vingtaine de questions. Ce sont des questions de logique ou des questions sur les boucles qui sont intéressantes pour vérifier la compréhension de ces structures, en particulier de leur imbrication, ce qui est souvent difficile à maîtriser pour des informaticiens débutants. Alors, l'avantage éventuel de cette approche avec Scratch, c'est de pouvoir changer facilement les scripts. Mais dans ce cas-là, il ne faut surtout pas oublier d'enregistrer l'image du script modifié et de le réimporter comme costume. C'est quand même un petit peu fastidieux et en plus, on risque de se tromper. Alors, si vous utilisez cet outil en classe, par exemple sur un visioprojecteur, eh bien, ce que vous pouvez faire pour éviter cet écueil et faire des modifications dynamiques, eh bien, c'est désactiver le dernier bloc qui affiche le costume. Et dans ce cas-là, quand vous démarrez, eh bien, je teste le E ici. Le script n'est pas affiché dans la fenêtre de Scratch, mais uniquement dans la zone de programmation. Et donc là, il n'y aura pas de risque d'incohérence. Alors, à bientôt, et n'hésitez pas à utiliser les ressources pédagogiques qui sont disponibles à l'adresse suivante. Salut !